Et bonjour, c'est parti pour la suite de notre Let's Play sur Hero Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Alors là déjà juste, je vais prendre ça parce qu'il y a point d'interrogation et je sais pas ce que c'est. Pourquoi il y a des points d'interrogation? Rien ne pourra m'arrêter. D'accord, juste une récompense en plus, 5000 rubis, c'est gratos, ça fait plaisir. Ok. Et on va faire Kilton aussi parce que, voilà. Bravo, bon travail. Un masque de mots blancs. Est-ce que ça fonctionne comme dans le jeu? Est-ce que vous pensez vraiment que je me fais pas taper par les mots blancs? Je pense pas, hein. Je pense qu'il y a peu de chances quand même que ça se passe comme ça, mais... Bon, après, voilà, j'ai plein de trucs, mais... Ouais, Maracas. Emplacement pour les 1 plus 2. Allez, vas-y, prends. Prends, ça me fait plaisir. Voilà. Oui. Ouais. Tarif réduit du champ de manœuvre. Prix moins 5% à la guilde des forgerons. D'accord. Bon, on a des améliorations sympas en vrai. Hein. Faudra que je regarde tout ça, mais je vous avoue que là j'ai qu'une envie. Hein. Ah oui, d'accord. C'est qu'en récompense de ça. Ils sont des 1. Yeah. Pourquoi j'ai besoin des citrouilles moi? J'ai tout. Mmh. Prends pas la tête. Hein. Oh. Mmh. Pour ça là? Non. Bon, écoutez. C'est pour ça. En tout cas, on est parti, hein. Ouais, on est parti. Pour la bataille de la muraille des limites. Ce qui est une bataille, normalement, voilà, hein, qui est censée avoir une saveur particulière, on va dire. Parce que c'était dans cette bataille qu'il y a 100 ans, avant Breath of the Wild. Il s'était passé quelque chose de grave. Voilà, on va dire que c'est l'événement qui a poussé Link à se retrouver au sanctuaire de la Renaissance, c'est cette bataille. Bon, cette bataille, sans les prodiges, sans le gardien du futur, donc là évidemment, tout va changer. Ou peut-être pas, je ne sais pas. En attendant, bon bah on a Link et on a Zelda, ça c'est ok. Et qui on va prendre d'autre? On prend Impa, hein. On prend Impa, hein. Allez, hein. En vrai, ouais. Impa, magistrate adjointe, prête au combat. En vrai, ouais. Non, bah, let's go. Hein. Et Link, épée de légende. Link, épée de légende ou Link, espadon. Non, Link, épée de légende. Pour ce combat, on doit prendre Link, épée de légende. On va le faire dans cette tenue. Quoique, est-ce que pour la dernière... Non, c'est bon, ça va, non, c'est bon, ça va. Allez. C'est parti, j'ai hâte. Même si j'aurais peut-être eu plus hâte s'il n'y avait pas eu le délire du futur, mais... Nos héros parvinrent à libérer la forteresse. Ils y découvrirent Pharas, qui avait échappé de justesse à la prise du laboratoire par le gang des Yiga. On peut avoir plus d'infos là-dessus. Que Prua avait fui le laboratoire en même temps que lui et s'était dirigé vers la muraille des limites dans la région de Nekluda. Mais cette fortification n'avait pas été épargnée par les assauts ennemis. Link et ses compagnons quittèrent la forteresse d'Akala pour prêter renfort à la muraille des limites. Mais en leur absence, qui prendrait le relais pour contenir les vagues incessantes de gardiens en provenance du château d'Hyrule? Vanaboris. C'est un véritable cauchemar. Mettre fin à ce cauchemar, c'est la mission qui nous a été confiée. Mais ils sont bien trop nombreux. Tu as traversé le temps pour venir me sauver. C'est grâce à toi que je suis en vie. Et Naboris peut accomplir sa mission. Tu verras, ensemble nous y arriverons. C'est entendu. Bien répondu.
Alors, on y va. Donne-moi la main et ne la lâche pas. D'accord. Mais du coup, ça explique aussi, a priori, un peu comment ça se fait que Proa s'est retrouvée vers Ymit, là où Pharas était à... était du côté de... à Dakala. Mais bon... bon, tout n'est pas clair encore, mais voilà. Qu'est-ce que je suis censé faire? Éliminer les gardiens. Éliminer les gardiens. Ouais, bah, ils sont derrière moi, les gardiens. Ouais, ils sont derrière moi, ouais, je confirme, ouais. Comment ça, déjà 3000 KO? On va se calmer, hein. On va se calmer, hein. Alors c'est dommage, il est pas de ce côté. Voilà. Comment ça, une immense... Ah ouais. Ouais, il y a l'air d'avoir du monde là-bas. Et bam. Ah ouais, l'objectif, éliminer 30 000 ennemis. On en est là. On va faire ce qu'on peut, hein. Après, ah mais ça c'est limite ça. Bon, on va essayer de pas détruire trop les villes, hein. Mais même si, bon, bah comme si ça allait vraiment avoir une influence. Ok. Alors je pourrais c'est mon rayon de la mort, mais là il y a pas assez d'ennemis. Pas assez d'ennemis à mon goût là. Il y a que 1000 ennemis là. C'est rien. Ménage, on fait un petit ménage. Sachant que j'aimerais bien être en fait en face de beaucoup d'ennemis. Oh mais au secours, au secours. C'est vrai que j'ai ça au pire. Voilà. On va dire que là ça devrait aller. Là j'aurais faire du petit ménage. Boum. Je passe l'aspirateur là. Excusez-moi. Hein. Nettoie un peu. Non mais... au secours. Ah ouais, salut, hein. Ouais. C'est ce qu'on appelle un passage en force. Tac. Ouais bon ça va le faire largement, hein. Les 30 000 ennemis, je m'en fais pas des masses quoi. Boom. Voilà.
Attendez, d'ailleurs, ça c'est quoi? C'est la muraille des limites, ça, justement? Non. J'ai pas trop fait gaffe aux endroits. J'aurais dû mieux regarder la map, mais bon. Mais bon. Qu'on pourra. Tu es bien une vaille, Gerudo. Quelle détermination. Par contre, c'est là où tu remets en perspective les prouesses de Link dans Breath of the Wild. Urbosa et Riju se mirent aux commandes. Parce que là, il y avait pas les quatre gardiens. Tenir le flanc des gardiens. Là, il y avait pas les quatre créatures. Répit depuis le château d'Hyrule. Pendant ce temps, Link et ses compagnons arrivèrent à la muraille des limites et, profitant de la brèche créée par Urbosa et Riju, passèrent à l'attaque. Parce que bon, ouais, hein, voilà. Hein. Genre dans Breath of the Wild, 100 ans avant, Link, il a dû affronter tous ces gardiens-là, mais tout seul. juste à titre de comparaison. Bon, en partant vraiment du principe que c'est exactement comme ça que ça s'est passé il y a 100 ans. Bon. Ce qui, techniquement, n'est pas aussi simple que ça, en réalité, mais on y reviendra. Un jour. Allez. Ah, cette bataille elle a une saveur particulière. Même si, bon, bah, du coup, elle va être beaucoup moins tragique, a priori. Qu'elle n'aurait dû l'être. Non, mais c'est bon là? Ils sont sérieux là? Ah non, je peux pas faire flèche into coup des stocks vers le sol. Enfin, je me suis compris. Impa. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Ok, Zelda, tu vas là. Je sais pas trop de quel côté aller, moi. Ouais, couché. Ah. Je m'en occupe.
Forcément, si je n'existe pas, tu peux pas me toucher. Non mais il me part. Hein. Baisse perso. Ouais bon, tant pis. Non, non, non. En garde. J'arrive. J'ai remporté la victoire. Aïe. Qu'est-ce qui fait mon... Bon, qu'est-ce que je fais d'Impa déjà? On va l'emmener là-haut. Non. Ouais, bah oui. On va la mettre là-bas maintenant. Ah d'accord, je vais dire pourquoi il est bleu lui. Bah tout simplement. Tout simplement parce que c'est un gardien de glace. Non. Sale bait. Non, 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 non. Merci. Non, non. Je sais que c'est les squelettes qui sont présentés comme des ennemis plus forts limite. Alors que bon... dans les faits, bon... Les squelettes... ça se gère à la bombe quoi. Ok. Maintenant tu vas là. On va jouer avec Impa. Il est en train de prendre tarif là. Hein. Ça me va, ça me plaît bien. Non mais tu veux pas prendre son symbole? Ouais. J'arrive. Esbra. Qu'est-ce que... Oh, sale bait. Pourquoi t'es là, toi? Je vais pas prendre juste une bombe et mourir. En garde. J'arrive. Ouais. Absorbe son symbole. Devrait pouvoir. J'ai remporté la victoire.
Là, j'attends d'être à court de mes symboles. En garde. Je sais pas, il clignotait. Hein. J'arrive. J'ai eu un doute, il clignotait. Ça ne finit pas. Bon. On change un peu de perso. C'est douloureux. Ok. Pas suffisant. Ah, par contre, les dégâts que ça fait, ça. Voilà, adieu. La vraie question c'est je la mets où? En vrai elle va rester là hein. Pour l'instant elle va rester là hein. Par contre d'ailleurs Zelda ouais non mais c'est normal. D'ailleurs Zelda elle a toujours pas récupéré ses pouvoirs mais... Mais ouais, non c'est... C'est pas encore hein, si je dis pas de bêtises hein. Normal. Ok. Ah salut hein. Ouais. Cassez-vous. Cassez-vous. De toute façon il vaut mieux que ce soit Impact qui s'en occupe en vrai. C'est la plus proche. Mais non mais... Par contre, elle est vraiment sérieuse là. Voilà. Ah non, j'ai quand même perdu mes symboles. Dommage. C'est dommage. Sale bait. Ouais. J'arrive. Je prends tarif hein. Mais non mais esquive un jour dans ta vie. Oh sinon tu fais ça et tu fais ça. Que j'ai décidé m'avait saoulé. Ah mais les dégâts. Hein. Cinétique,
Ah ouais. Hop, prends le symbole. Aïe. Là j'attends que ça fasse dealing, dealing, dealing. Bon, ça clignotait. Allez. Non. Toujours pas assez de dégâts. Mais non, mais... Adieu. J'ai remporté la victoire, votre altesse. Ouais. Ah, cette muraille. Par contre... Merci. Tac. Ah mais ça lui massacre sa barre de points faibles en fait. D'active ma tablette. J'ai jamais remarqué. Ça va aller, Zelda. Ils vont se calmer? Oh! Meurs. Allez, plus que deux. Sale bait. En plein vol, ouais. Non mais... Allez. Non mais meurs. En fait, juste meurs. Ok. À présent, vous allez périr. C'est votre destin.
Hein? Ah oui. Oui. Je libère mon pouvoir. Arc de lumière. Voilà. 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 Oh là là. En vrai. Bon, en vrai, la scène faisait quand même plaisir. En vrai, la scène fait plaisir quand même. Avec un Link très sacrifié. Et une Zelda surpétée. Non mais il en reste encore, non? Arc du saut. Au cas où, hein. Bon, par contre, Astor... Bon, hein, je sais pas quoi penser. Alors, ouais, qu'est-ce qu'elle a pour? Ok, faut aller récupérer l'effort. Ah mais attendez. J'ai pas de A. Parce que c'est ma barre de coup fatal qui est en train d'immuler. Bon. Mon Link a plus de vie quoi. Mon Link est en PLS. Non par contre les cinématiques de ce jeu sont ultra classe hein. Genre de manière générale hein. Donc bon. Ok. Mais ouais, là du coup, Zelda, bon... j'ai l'impression que sa forme Arc de Lumière va être un poil plus puissante. Juste un poil, hein. Genre un peu comme Link, en fait. Ça va devenir un perso un peu pété, quoi. Je vais peut-être me tromper, hein, mais... Bam. Mais du coup, Astor, il vient d'où? Astor, il veut quoi? Astor, qu'est-ce que... Hein? Voilà. Moi, les questions que je me pose sur Astor, c'est ça à l'heure actuelle. Pour l'instant, j'ai pas encore de réponse. Hein. Ah oui, non, j'allais dire, il tape ses potes, mais non, non, il y a des soldats. Bait. Ouais. Bon, je pense qu'on va utiliser Link en mode défense. On va prendre les avant-postes avec Impa et Zelda. Ah, et ça va être ça qu'il va falloir activer. Je le sens bien. Allez, meurs. Il est pas mort. Sale bait. Ah oui, bah ouais. Ouais, c'était nul, ouais. C'est pas comme ça que... J'ai remporté la victoire. Ouais. Si j'esquive pas, forcément. Ça ne marchera pas. Voilà. Ok. Ah.
On a installé un dispositif. Donc Impa. Impa, tu vas là maintenant. Aïe. Moi, je suis bien dans le camp. Ah, c'est quoi son art? Petite flèche de lumière. Ouais, mais non, mais non, mais. Bah ouais, bah ouais, mais. Hein? Ah, je pouvais faire plein de trucs là. Je pouvais faire des trucs. Et le coup point faible. C'est propre. Ok. Ah ouais, les dégâts qu'on fait en furie là, c'est assez vénère. Plusieurs fois, tiré. Pas tout compris, hein, mais ça a l'air fort. Toutes ces attaques ont l'air fort, en fait, là. Hop, maintenant tu vas là. Et on reprend Link. On essaie de se méfier de les attaques de l'autre, mais pour l'instant ça se passe. Ouais. Jusqu'à ce moment. Petit niveau sup, ça fait plaisir. Ouais, mauvais bouton. Ouais, salut hein. J'ai pas oublié que je pouvais faire ça hein. Enfin un peu mais je m'en suis rappelé. Quel endroit là? Quel endroit il faut pas que je tombe? Ah ouais, je vois. Je crois que je vois. Ah ouais, un petit linel blanc là. Ok. Ah, c'est potentiellement la merde. Ah! Oui, non, mais on est d'accord, là où il est, le capitaine Ilien. Attendez, hein, j'ai un doute là. Non, mais. En fait, là où c'est pas clair, c'est elle est où ma base? Ma base, elle est où? Ma base, c'est ça, on est d'accord? Donc je veux dire que le gardien il meurt, enfin que le capitaine il se fasse battre. C'est pas... La ligne de défense était à moitié détruite.
Droyer. On va se grouiller. Non. Ouais, c'est là. Enfin, je pense que c'est là. Apprends à esquiver avec Link. Mais non, mais... Vraiment, vraiment, vraiment. Zéro timing. Un coup, c'est trop tôt. Un coup, c'est trop tard. Ah mais y a d'autres copains là. Really? Mais non mais. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Oh non mais ça va pour toi. Il a pris deux coups. Non mais si je fais ça, je vais attirer l'inel en fait. Ouais. Ouais ouais. C'était pas la bonne idée. C'est quoi la bonne solution là? Alors pas ça. C'est pas ça non plus. Bon, un de moins. Saloperie d'Inel. Saloperie. Mode de mort. Allez, ça va le faire. Ça, je fais ça pour m'apprendre l'attaque de l'autre. Ah bah c'est bon. Bon, il reste plus que lui là, mais... Ça va aller. D'ailleurs, Impa. Impa va là. Non. Un jour, j'aurai les bons timings. Hein. Ok. Non. Combien de gardiens là? Aïe. Ah si, ça va, j'ai cru que ça le tuait pas. Mais si. Ok.
Ok. Non, il me parle. Ah ouais, c'est un peu la merde ici. Un peu. L'alimentation et dispositif est perturbé. Link, escorte proie. Ouais, voilà. Comment ça, l'ombre de foudre? Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ça va être la merde. Quoi que j'en ai tué deux, je crois déjà. Aussi bien. Je sais plus. Si, au début, au tout début avec Zelda, là, on a tué. Zelda, viens. Allez, meurs. Merci. Ok. Maintenant, Impa, tu viens aussi rejoindre Proie. Tous ensemble. Ah ouais, tu veux pas sortir de l'eau par contre, Proie? Parce que la foudre dans l'eau, c'est vraiment une bonne idée. Ah non. J'ai pris si cher. Mais non, mais au secours. Non, mais les autres ombres là, je me fais défoncer par les autres ombres. Au secours. Oh. Au secours. Ah, oh, c'est compliqué. Non mais ouais, attends, on va changer de perso parce que j'ai plus de vie. En garde. Et au pire on fait ça. Mais non! Avec Polaris? Oh, Is! Non. Souci, elle a pas dit. Et bam! J'ai remporté la victoire! Ok. Non, Link. Voilà, reprends de la vie un peu. On a plus de vie. Non mais elle, en fait elle va où la proie? Parce que... J'en ai Link là au moins. Je m'en occupe. Bon, on va escorter Impa avec proie. Enfin proie avec Impa. Allez-vous-en. Ça devrait aller hein. On a Zelda aussi en backup. Je sais pas si je peux choper des objets dans l'herbe. Bah ouais hein. Bien sûr. Cinétis devrait vous voir. Ah ouais.
Ah ouais ouais. Après, ceci dit, lui, il invoque pas des clones. À partir de ce moment-là, hein. À partir de ce moment-là, tout va bien. Ok, non, Link. Parce qu'attendez, les gardiens là, ils vont où? Ils vont là où je pense? Ils vont à la muraille? Pour essayer de me faire tomber ma base avant que ce soit fini? Je crois, hein. Je crois bien, hein. Ah bah nickel. Et ça va pas affecter le mini gardien. Bon tant mieux. Parce que c'est vrai que ça aurait pu hein. Mais lui il fait sa life hein. On sait toujours pas exactement d'où il vient, qui il est, qu'est-ce qu'il fout là, tout ça, mais il fait sa life. Le gardien il a... Ah ouais. Ah ouais, il y a une grosse bête là. Alors juste, moi je récupère ça, et ensuite on y va, oui. Sont là, pendant ce temps, voilà, Zelda et Impa y vont. Attendez, ah ouais, mais il avance vite, ce petit bâtard. Ah ouais. Ah, il avance un peu trop vite à mon goût, ouais. Non. Meurs. Maintenant, Link, tu vas là. Et on va prendre Zelda. Hein? Oui. Non mais alors, au secours. Alors juste, c'est quoi les combos de Zelda? Quoi? En état éveillé, XY, Z... Attendez, ZLB, ZLX, ZLY. D'accord. Un ennemi encerclé d'un anneau de lumière subit plus de dégâts avec des flèches de lumière. D'accord, ok, voilà. Donc en gros, t'es censé faire des combos entre l'état éveillé et l'état pas éveillé, quoi. Genre là. Mais non. Ah. Y'a pas un endroit où je peux choper de la vie là? Comment je fais pour choper de la vie? À la limite, je peux bolosser dessus à l'infini. Ah ouais, mais non. Bon, Impa. Je m'en occupe. Voilà.
Ah, c'est un peu la mer niveau vie, ouais. On sait pas à ce point. Non, non, mais Zelda reste pas là. Zelda reste pas au milieu. Ah, parce que si elle meurt... va avoir le démon. Ouais. Je sais pas si j'aurais dû faire ça. Ouais, quoi que si, c'est bon. Zelda, va là. Voilà, va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. C'est pas que j'ai pas confiance, mais va-t'en. Ah, je voulais juste passer sur Link en fait. Parce que Link il peut parer. Pourquoi il peut essayer? Là j'ai pas essayé. J'avoue, là j'ai pas essayé. Mais voilà, on a réussi. Presque. Visiblement c'est pas terminé. Stylé cette arme. Tellement de loot. Maintenant que le fléau Ganon s'est éveillé, nous devons nous préparer à affronter une épreuve comme nous n'en avons jamais connue. Surtout, ne baissez pas les bras. Ne perdez pas espoir. Nous allons faire face. Hyrule a le chevalier purificateur. Elle a les créatures divines et les prodiges. Et enfin, elle vous a, vous, vaillants soldats. Alors, je vous le demande, suivez-moi. Je vous le promets. Grâce à ce pouvoir qui s'est éveillé en moi, je scellerai le fléau. C'est ici. La muraille des limites, que commence notre bataille. Sauvons Hyrule. Battons-nous pour le salut de tous ses habitants. Alors, de quoi voulais-tu me parler? Encore toi?
Ah non mais nous faites pas un teasing comme ça là. Je suis désolé hein, on va arrêter l'épisode là, j'y peux rien. Ah oh, donc. Bon, ok, bon, voilà. Mais du coup, Supa, il est mort? Ce qu'il laissait supposer là, hein. le chef du clan suprême du gang des Yiga. Laisse en général ses subordonnés combattre et passe son temps à dormir. Mais les membres du gang, lui, font malgré tout une grande admiration. Il se joint à l'armée d'Hyrule pour venger ses camarades qui ont péri. Ah, toujours plus, hein. Non mais... Et encore là, on n'a pas les symboles de Koga. Hein. Voilà, ça y est. Non mais, ouais, voilà. Secours au plateau du prélude. Bon, bah écoutez... Je sais pas si on approcherait pas quand même de la fin, globalement. Ah, j'ai pas là, j'ai pas de quoi le faire. Ah ouais, d'accord, 24 noix Korogu, allez. Dégâts causés par les ennemis, moins 5%. Ok. Oh, il y a pas mal de récompenses, de trucs qui ont l'air sympas. Hein. C'est de la brioche d'Akala Est. Ouais, vas-y, prends. Alors, est-ce qu'on va avoir une suite quand même à cette cinématique avec Koga? Ou bon, c'était juste, voilà, genre, Koga est arrivé en mode « S'il vous plaît, pardonnez-moi, je veux combattre à vos côtés !» Mais du coup, c'est laissé supposer que Supa, il s'est fait buter par Astor, en fait. J'ai l'impression. En tout cas, Zelda a éveillé ses pouvoirs. L'heure de la contre-attaque a commencé. Que va-t-il se passer maintenant? Bah, c'est une bonne question, parce que là, bah, du coup, on... Les événements ont complètement changé, là, le futur a été complètement modifié, pour le coup. Il l'était déjà depuis un moment, hein, avec les créatures divines, avec Sidon... mais voilà, là, Link a été sauvé aussi. La dernière personne à sauver, c'était Link, quelque part. Là, c'est le cas. Mais ce jeu s'appelle l'ère du fléau. C'est un truc auquel j'étais en train de penser là, justement pendant la cinématique, quand vous avez le discours de Zelda. Le jeu s'appelle l'ère du fléau. Si Ganon il revient et qu'il se fait bolos direct, c'est pas vraiment son ère. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est genre l'arrivée du fléau à la limite. C'est genre il est venu, puis il est reparti quoi. Mais bon, voilà. Comment tout ça va se terminer? J'en ai aucune idée. En fait. Là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va vraiment avoir une happy end? Parce que là, on a l'air vraiment d'être parti sur ouais, on va sauver tout le monde, ça va être voilà, on va sauver Hyrule, machin. Mais de plusieurs choses l'une en fait. Déjà, quelles seront les conséquences pour cette Hyrule? Est-ce que ça veut dire du coup que vraiment il va y avoir deux timelines où juste bon bah ce jeu il est inspiré des événements de Breath of the Wild et il fait sa propre chronologie, et, enfin, il fait son propre bise et puis bon bah ce qui se passe là ne sera jamais réutilisé. Ever. Ou est-ce que ça va avoir un intérêt? Est-ce que ça va mal finir quand même? Est-ce que, enfin, voilà, parce qu'il y a aussi cette histoire de, enfin, cette histoire. Alors, dans Zelda, ça marche pas très bien, hein. Ce que je vais dire là, faut pas le prendre, enfin, c'est pas forcément valable. Mais, il y a des trucs, dans certaines œuvres de fiction, notamment, quand tu fais un voyage dans le temps, t'as beau essayer de modifier certains événements, certaines choses vont quand même se passer d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas au même moment, mais voilà. J'ai pas d'exemple en tête, mais en gros, tu vas empêcher un accident, mais la personne va peut-être mourir autrement, etc. Enfin, je sais plus dans quelle œuvre c'est ce truc-là, mais voilà. Toujours est-il que... Est-ce que là, on va donc être sur une timeline de la victoire? Ou pas? Hein, est-ce que Ganon va être battu si facilement? Voilà, simplement. Après, ceci dit, le développement de Zelda, il fait quand même plaisir. Faut le dire. Et je suis assez curieux, du coup, de voir ce que ça va donner par la suite. Entraînement du grand Koga. Ouais, Koga. Un Koga, attendez, Koga, il a quoi comme... Non, mais... Attends.
ray de lumière mystique, si stress assez élevé. D'accord. Bon, bah, en tout cas, on a un nouveau personnage encore, en plus. Un nouveau personnage qui vient rejoindre le crew. Oh là là, ah, bah, j'ai 40 000 trucs. Je pense que je les prendrai... je prendrai les trucs en off aussi, hein, histoire de... Histoire de... Non mais par contre, on en parle de ça, là. X, Y, Z, L, plus B, Z, L, plus... Non mais... Pourquoi il n'y a que ce perso qui a ça, quoi? En plus, ZL, ça sert à rien, de base. Ou juste à redresser la caméra. Bon. Très bien. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à bientôt pour la suite d'Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Pour continuer, tout simplement, le scénario. Est-ce que ce sera la fin? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Je sais pas quand t'es... Voilà, comme je dis, hein, je sais pas combien il y a de chapitres. Je sais pas combien il y a de chapitres, tout simplement. Mais ouais, je sais pas du tout où on en est, du coup, dans l'histoire principale. Mais en même temps, si ça devait se finir au plateau du prélude, ça aurait du sens, quelque part. Entraînement avancé de Zelda. Ouais, bon, voilà. Noya, ouais. Nouveau combo pour Impa. C'est une force nouvelle. Impa de cœur max. Bon, vas-y. Bref, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. J'ai l'impression d'être plus forte.